Bonsoir à tous. La Suisse change, la Suisse bouge, la Suisse se colore aussi. La part des mariages mixtes entre Suisses ou Suissesses et étrangers est en constante augmentation aujourd'hui. 35% des unions célébrées en Suisse sont binationales et à Genève, par exemple, on frise les 50%. Ce phénomène est une excellente nouvelle pour l'intégration. Un pays qui se marie de manière aussi diverse prouve qu'il intègre facilement ses étrangers. Mais parfois, les choses dérapent. La Suisse est aussi une terre promise qui fait rêver les jeunes filles et les jeunes gens moins favorisé quand on vit dans une banlieue sordide ou un bidonville sans perspective d'avenir et sans ressources. Mettre le grappin sur un Suisse ou une Suissesse, c'est décrocher un ticket pour le paradis. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux soupirants un peu partout dans le monde. Un pays en particulier nous regarde avec envie, c'est le Cameroun. Les mariages avec des romandes, où des romans sont nombreux, mais les problèmes aussi. Mariage bidon, faux papiers, escroquerie sentimentale, voire trafic d'êtres humains, le Cameroun est en tête des préoccupations des officiers d'état civil suisse. Une de nos équipes, Isabelle Ducret et Philippe Mack, avec la collaboration de notre consoeur camerounaise Anne-Mireille Nzuanke, a enquêté sur ces mariages pas tout blancs qui font des victimes des deux côtés. Regardez. Vous connaissez des gens dans votre entourage qui vous disent « trouve-moi un blanc ». Si, oh, comme j'ai épousé un Européen et que je me suis mariée là-bas, je l'ai amené là-bas, c'est, le jour du mariage, c'est tout le monde qui voulait un blanc. Même lui, s'il demandait à épouser quatre, au jour-là, il aurait épousé quatre, cinq. Parce que vous n'avez pas un frère. Parce que pour elle, c'est... Pourtant, moi, j'étais déjà là, quoi. C'est pas... Mais elle veut l'épouser un Européen, à tout prix. Et puis, les hommes qui cherchent des blanches? Bah oui. Au Cameroun, il y en a qui demandent. Dans les familles, elles veulent toutes. Et pas une jeune blanche, même une vieille blanche. Je sais pas ce qu'elles entendent par vieille blanche, mais je dis, tu sais ce que c'est une vieille blanche? Un jeune homme qui est prêt à épouser une femme de même 65 ans. Bah juste pour venir en Europe. Bah oui. C'est juste pour moi je pense que c'est le fait de juste venir en Europe. L'Europe, le fantasme de la vie meilleure et de l'argent facile. Tous veulent y venir, comme Josiane. Dans son Cameroun natal, elle suscite l'envie, représente un modèle. Ils ont l'impression que tout est rose. Hein. Ils ne nous posent même pas la question si c'est difficile. Même si on leur dit que c'est difficile, ils ne croient pas. Ils ne vous croient pas? Pourquoi ils ne vous croient pas? Parce que pour eux, comme vous avez dit, l'Europe, c'est l'Eldorado. Hein. Quand quelqu'un vient t'exposer un problème, j'ai besoin de 2-3 millions, tu lui dis, j'ai pas 3 millions. Il te dit, quoi? Tu vis en Suisse et tu n'as pas 3 millions? Parce que pour eux, la Suisse, c'est les banques. C'est fin. Pas des 3 millions francs suisses et 3 millions, c'est fin. Le cœur a bien des raisons que la raison même ignore. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas consultation. Consultation nord-sud avant la prise des décisions. Si je vous parle à cœur ouvert de ces choses qui me tiennent à cœur, c'est que j'ai le cœur brisé, j'ai le cœur qui saigne vrai ou. Lorsqu'elle rejoint en vacances à Yaoundé un ami camerounais, Julie n'a aucune idée de l'attrait qu'elle représente. Ado de 18 ans, en rupture, son fantasme à elle, c'est l'Afrique. C'est un ami, je me suis dit, voilà, je peux le rendre visite et en plus, j'ai que le trajet à payer en fait, tout simplement. Je pouvais rester là-bas, pas gratuitement, on est d'accord, j'allais participer au coup de la famille ou comme ça, mais c'était des vacances abordables. On passe à l'aéroport, enfin on sort les CB vitrés. Et puis, il y a un groupe de personnes qui crient « Ouais, vive la mariée, vive la mariée !» Et puis moi, naïvement, je me retourne, puis je me suis dit « Ah, c'est qui va se marier? C'est cool !» Puis en fait, c'est qui va se marier? Ben, c'était moi. Julie sera mariée de force. Elle est emmenée dans le quartier de Manguier, l'un des plus pauvres et des plus dangereux de la capitale camerounaise. Un quartier où les Blancs n'entrent pas. Son futur époux lui a pris ses papiers, son argent. Elle a peur. Elle n'a personne vers qui se tourner. J'étais toute seule, au milieu d'une grande famille.
que je connaissais pas, hein. Je veux dire, on peut pas, je les connaissais pas. Et puis il y avait cette pression en fait qui était tout le temps. On imagine d'être séquestré, c'est les chaînes, dans une prison, on vous jette dans la prison, puis ce qu'on voit à la télé, puis on vous lance l'eau pour boire et tout ça. Mais en fait, ma situation, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus complexe. C'est cette pression permanente, vous êtes jamais seul. Vous n'allez pas aux toilettes seul, vous faites rien seul. Ça vous donne... Ouais, vous êtes surveillé, quoi. Faites des gestes. Et... Il me faisait peur, en fait. J'avais vu une facette de lui que j'avais jamais vue avant et je savais pas jusqu'à où ça pouvait aller, en fait. La seule raison pourquoi ces personnes voulaient forcer à se marier à elle, c'était pour avoir des papiers. Et je me suis dit que si je faisais ce qu'ils demandaient, je risquais rien. Elle ne résiste pas. Elle dira oui devant le maire. Et effectivement, 2 jours après son mariage, elle est libre. L'envie d'Europe est transmise par la télévision. Ils en rêvent, tous. Cela devient comme une obsession contagieuse. C'est bien comme en Europe, c'est très bien. Comment tu sais que c'est très bien en Europe? Parce que je vois à la télé. Je vois souvent à la télé. Toi, tu veux te marier avec une blanche? Oui. Et pourquoi? Parce qu'elle est riche, non? Je veux aussi marier son argent. Et comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Elle va souvent acheter des voitures, elle va me mettre dedans. Et pourquoi c'est important d'avoir l'argent? Pour bien vivre. C'est pour avoir l'argent, c'est pour bien vivre. Bien vivre, ou en tout cas mieux vivre que dans ce quartier où l'eau se cherche encore au puits. Le mariage avec un blanc, c'est le triomphe de tout un clan et cela s'affiche ostensiblement. En témoignent les véritables forteresses construites par ceux qui ont réussi à envoyer l'un des leurs là-bas. Une gloire que tous les autres regardent avec des étoiles plein les yeux. Allez vous faire fou. Je vais chercher le blanc vraiment, parce qu'avec les noirs, c'est la merde. C'est la merde, bien sûr. Avec les noirs, c'est la merde. Parce que le blanc, c'est le blanc, le meurt le blanc. Avec le blanc, tu n'as pas les maux de tête. Il y a une très grande différence. Oui. Avec le blanc, tu n'as pas les maux de tête. On cherche une vieille femme blanche, on l'épouse, on a ses papiers, on a le visa facile. Et comment on la trouve, la vieille femme blanche? Hein? Comment on la trouve? On mange seulement son argent, on reste avec elle. Comment on la trouve? Vous la rencontrez où? Au Cibet Café. Vous avez déjà rencontré des femmes blanches? Oui. Ça marche bien, elles sont contentes. Mais des vieilles femmes, pas des jeunes femmes. Demande, tu te déshabilles comme ça et tout. Et tu fais dire la vérité, dis comme ça se passe. Oui, tu te déshabilles et tout, elles te voient, elles voient tout, tout ton corps et tout. Oui. Ah, elles sont comme ça, les femmes blanches. Oui, c'est comme ça, on veut la webcam. Elles veulent tout voir. Ouais. Tout voir sur toi. Elles vous montrent tout. Ouais. Puis elles montrent aussi. Elles montrent aussi. Oui, parfois. Si tu es disponible, on commence. On commence. Mais je suis déjà mariée. C'est un détail. C'est un détail. Ça, c'est un détail. Ah, pourquoi c'est un détail? Je reste avec toi, tu m'aimes ton blanc et on s'est marié avec. Et le blanc, il est au courant? Non, il n'est pas au courant. Tu prépares, tu mets le tout dans sa nourriture, il meurt et on vit ensemble. Après, il te tue aussi et prend tes biens. Mais je suis pas assez vieille, moi. Non, mais tu n'es pas vieille. Moi, je suis là pour l'argent. Les jeunes Camerounais ne s'en cachent pas, ils chassent le blanc. Et il n'y en a pas beaucoup de passages dans ce pays pauvre du centre de l'Afrique, englué dans une dictature menée par un président en place depuis 30 ans. Le meilleur moyen de trouver un Européen, c'est par Internet. Yaoundé est connecté depuis 1997, mais les connexions à domicile sont très rares. Du coup, les cybercafés ont fleuri dans chaque quartier. Annick est une jeune étudiante en lettres. Même elle cherche une relation sérieuse avec un blanc. Elle vient de s'inscrire sur toute une série de sites de rencontres spécialisés. Bonjour Maya. Bonjour. Et comment? Ça va. Je peux avoir du temps. Okay. Oui, il est de la Suisse. Oui, il est de la Suisse. Et il y en a un autre, il est de la France.
Tu cherches plutôt des blancs? Oui. Oui, en réalité, oui. Pourquoi tu cherches un blanc? Pour moi, je trouve que les blancs sont un peu délicats. Et puis, je me dis qu'ils savent aimer, quoi. Mais il y en a aussi qui sont crus. Oui, il y en a qui sont crus. Elle rêve d'enfants métis depuis longtemps, Huguette, mais elle déchante un peu. En général, je n'accepte pas. Quand quelqu'un est trop pervers, je n'accepte pas dialoguer avec lui. Donc, j'arrête la conversation. Et qu'est-ce qu'il va te demander? Généralement, c'est de t'exhiber, dévoiler ta poitrine, ton corps, ton sexe et tout. Te tripoter un peu toi-même et puis voir. Et lui réagit aussi de son côté. Toi, tu le fais? Non, pas du tout. Ça va à l'encontre de mes principes. Comment alors? Maxime n'est pas là. Pas facile de pêcher le blanc. Augustine a ses habitudes dans cet autre cybercafé de Yaoundé. Elle se connecte depuis plus d'une année et depuis peu, elle discute régulièrement avec l'un de ses prétendants. Oh chérie, si tu veux voir, tu n'as qu'à demander. Hein? Si tu veux voir, tu n'as qu'à demander. Le dialogue a pris des tournures intimes. Et Augustine espère bien qu'ils se marieront. En tout cas, elle veut mettre toutes les chances de son côté. Bébé, tu veux voir comment? Comment ça? Oh, tu veux que j'enlève? Tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu as une idée dans la tête, alors dis ce que tu veux. Non, ben disons moi, je veux voir la forme de tes fesses, poupée. Mais tu l'as déjà vu? Tu veux voir comment? Oui, je sais, puis j'aime trop ça, j'aime trop voir tes fesses. C'est ça, non? Laisse la cam en plus, laisse. Voilà. Voilà, là, les jolies fesses. C'est très bien. Et ça pousse pas plus? Ça pousse beaucoup la forêt? Non, ça peut pas aussi pousser comme pour toi. Iii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 i
Je suis le seul ici à Mouamanga qui trouve des blancs aux petites, si tu le sais. Bon, il y a quoi? Mako! Beaucoup d'entre vous le faites quand même, non? Ouais. Non, sérieux, et puis ça marche. Ouais. Non? C'est pour ça justement que vous fermez les boxes. Hein? Il y a une fille ici, quand je passais souvent, hey, « Eh bébé, tu vois, bébé, tu me sens, ça veut dire qu'elle était en train de montrer. Ah » bon? Et ça a marché. Non. Et oui, elle se m'assure comme ça? Oui, puisqu'elle a ressenti qu'elle est avec lui. Voilà, ouais. Mais attends, sérieusement, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà reçu de l'argent quand même, oui, avec ça. Oui, ils envoient. Hmm? Ils envoient 200 euros. 200 euros. Ouais, donc ça marche. Bon, tu t'exposes, tu te zippes, hein, sur la cam un peu plus. Ouais, ouais. Donc ça devient comme un marché. Donc tu es quatre, vous faites l'amour en cam et tout ça. Parfois, il ne visionne pas seul là-bas. Hein. Lui, toi, tu le vois seul, alors que ses amis, ses frères sont mais à côté. Nous aussi, si ils sont tous fait là, ils sont en train de te regarder. Comment vous faites la différence entre un type qui va vous réclamer des trucs dingues et quelqu'un qui est sérieux? Bon, un type qui va te réclamer des trucs dingues, ça ne s'ignore pas. Dès le départ même, à peine vous avez dit bonjour, comment tu vas, comment tu t'appelles, il ne veut même pas déjà se présenter normalement. Moi, parfois, il met sa cam, il est à poil. Il faut que tu fasses aussi pareil. Comme le type de... Et à part ça, c'est la majorité ou c'est pas la majorité? La majorité. Moi, la majorité. Moi, c'est surtout les vieux qui le font. Et Yenga a finalement trouvé un blanc sur Internet. Mais celui qui débarque à l'aéroport est vieux et handicapé. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis par les liens de mariage. Veuillez vous embrasser. Elle se marie quand même, portée par son rêve d'aller à Paris, jusqu'à ce que le mari lui annonce qu'il est fauché. Qu'importe pour les filles du cyber, vieux, handicapés, pauvres, elles veulent leur blanc. Mais attendez, franchement, vous préférez un blanc pauvre à un noir riche, par exemple? Non, la pauvreté de là-bas. Jamais la pauvreté du pays. Jamais. Oui. Jamais. La pauvreté de là-bas. Parce qu'ici, quand tu es pauvre, tu as la maison qui tombe. Hein. Oui. Là-bas, quand même, il a une belle maison. Il lave les habits en machine. Ah oui. Ici, tu fais pas quand tu es pauvre. Il a même le salaire de chômeur. Même si tu ne travailles pas, tu as le salaire du chômeur. Ici, ouais, même le salaire du chômeur, tu n'as pas. C'est-à-dire que dans la tête des Noirs, un blanc pauvre, ça n'existe pas. Ah. Non, mais c'est ça le vrai problème en fait. C'est pas savoir s'il y a des noirs riches. Le vrai problème, c'est qu'un blanc pauvre, ça n'existe non, pas. Tous les blancs sont riches. Tous les blancs tous sont les riches. Tous les blancs là, comme ça, ils sont riches. Comment? C'est la peau de la richesse. Voilà. Je dis que c'est l'Éternel qui nous a mis, qui m'a mis sur ta route, qui nous a mis ensemble. Toi-même, tu sais, je ne suis pas allée sur Internet pour te chercher. Je suis venue... J'étais... enfin, c'est toi qui es venue me trouver sur place. Elle ne l'a pas rencontré sur Internet. C'est rare. Eux ont vécu un coup de foudre, un vrai, en direct à Yaoundé. Mais le maire l'ignore et va pour le moins casser ce moment romantique. Je remets officiellement votre titre foncier pour habiter au Canada. Le mariage, c'est le sésame, le seul moyen pour un Africain de s'établir en Europe ou en Amérique.
car obtenir autrement un permis d'établissement est proche de l'impossible. Maire adjoint d'un autre arrondissement, Patrice Ekani connaît la chanson. Il a vécu en France, où il a étudié et rencontré son épouse. Avec sa femme française, il a choisi de revenir au Cameroun. Aujourd'hui, il ne s'étonne plus quand il marie certains couples étrangement assortis. Les Dorado dont vous parlez, c'était d'aimer un blanc et de partir. Et là-bas, elle s'est dit, je vais me dépouiller. Est-ce qu'il y a l'amour à la base? Je n'en suis pas sûr. Quelquefois, il y en a. Et les moyens de communication dans le monde actuel nous permettent, dans le monde virtuel, d'atteindre le petit blanc là-bas qui lui aussi a son blouse et qui veut épouser une petite négresse, une petite fille là, et qui voudrait amener là-bas. Très souvent, j'ai marié des gens ici qui ont 70 ans, des Français, des Suisses, des Allemands, des Américains, des Anglais, 70 ans, avec des jeunes filles de 20 ans. J'ai célébré ce mariage-là. Et je me suis occupé d'abord d'interroger la bonne volonté, mais la loi ne m'oblige pas à faire le confesseur. Je ne suis pas là pour les confesser. Je suis là pour demander s'ils sont en règle pour se marier. Car il faut être en règle pour pouvoir se marier. C'est l'officier d'état civil qui a le dernier mot pour valider un mariage, au Cameroun comme en Suisse. Jean-François Ferrario, chef de l'état civil du canton de Vaud, l'assure, on se pose les mêmes questions ici et là-bas. On est toujours un petit peu surpris, par exemple, quand on a des couples où il y a une différence d'âge de 60 ans, par exemple, ou bien, typiquement, le couple ne parle pas du tout la même langue, se connaissent depuis très peu de temps. Il y a quand même passablement d'indices qui nous mettent sur la voie où on se dit, bah, tiens, ce mariage-là, il est vraiment uniquement pour les papiers. Quand on voit qu'une personne, ces personnes se sont parlé via webcam interposée pendant un ou deux mois, et puis la personne va, par exemple, au Cameroun et se marie dans la semaine qui suit. Ça nous interpelle quand même. Quand il y a doute, l'état civil mène l'enquête. Dans le canton de Vaud, seule une vingtaine de cas par année sont contestés, ce qui est très peu. Surtout que les mariages entre Suisses et étrangers sont très fréquents. Ils représentent les deux tiers des mariages dans le canton de Vaud et la moitié des mariages en Suisse. C'est ce qui rend le métier d'officier d'état civil plus complexe. Avec, justement, avant quand vous aviez deux Suisses qui se mariaient, c'était relativement simple. Raison pour laquelle vous aviez des offices d'état civil dans pratiquement tous les villages. Les gens qui se mariaient étaient connus de l'officier d'état civil. Les formalités étaient très rapides. Maintenant, on a été obligé de centraliser justement l'état civil, de mettre des procédures, d'appliquer des lois. On rajoute de plus en plus de lois et ce métier devient vraiment, vraiment complexe maintenant. Désormais, pour un nombre important de pays, dont le Cameroun en tête, il faut faire vérifier l'authenticité des documents présentés par le conjoint étranger. L'expérience a montré que les faux papiers sont courants et surtout faciles à faire. Première démonstration dans le quartier des ambassades, à Yaoundé. Au bord de la route, ces hommes proposent leurs services, notamment pour obtenir des visas. On les appelle ironiquement des ambassadeurs. Nous les avons filmés en caméra cachée. Moi, je ne peux pas vous garantir que bon, le visa est à 100%. Mm-hmm. Vous comprenez, non, ce n'est pas moi le consul. Mm-hmm. Le consul qui décide. Mais je vous dis que vous montez un dossier en bonne et due forme qui peut lui donner le visa. Elle a au moins 75% de chance. C'est combien alors? Tout le dossier est combien? 450 000. 450 000? Oui. Complet. Donc, partant, les documents, carte de commerce, lettre d'invitation, facture pro forma, lettre de commande, tout ça, réservation d'hôtel, assurance voyage. C'est tout ce qu'on va donner. Pardon? Après, c'est tout ce qu'on va donner. Ah, non, ça c'est le dossier. Ah, le dossier. On parle au thème du dossier. Ça, c'est le dossier. Ah, après, dès qu'on peut dire que dès que le visa sort, dès que monte tout mon dossier, dès que le visa sort, on donne 1 million. Quand le visa sort, pas avant. Et ça peut prendre combien de temps pour faire tous les papiers? Pour faire le dossier, c'est une semaine. Ça, c'est pour un visa. Pour un mariage, les documents à produire sont essentiellement l'acte de naissance et un certificat de célibat. C'est à l'ambassade de Suisse, établie dans le pays du conjoint étranger, que revient la charge de contrôler les documents.
Ambassadeur à Yaoundé depuis 2 ans, Ours Berner explique comment ça marche. Nous, ce qui nous importe, c'est de connaître l'état civil, la nationalité, le domicile, etc. Maintenant, c'est sûr que si on a quelques doutes, on leur pose des questions supplémentaires. Mais il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de formalisme excessif. Où on a toujours des difficultés, c'est d'être 100% sûr du contenu. Mais ça n'est pas notre rôle non plus de jouer les policiers ou les détectives. L'ambassade n'emploie ni policiers ni détectives, mais des avocats camerounais. Ils doivent contrôler que le document d'état civil existe et affiche les bons tampons et les bonnes signatures. Nous voulions les filmer, impossible. Ils doivent rester anonymes pour ne pas s'exposer aux pressions. Dans un pays comme le Cameroun, qui est connu pour des manières de travailler qui ne sont pas toujours tout à fait correctes, c'est vrai que c'est difficile de choisir ou de trouver des avocats dans lesquels on peut vraiment avoir confiance. On est obligé de leur donner un honoraire décent pour éviter la corruption. Les avocats de confiance vérifient directement dans les registres d'état civil des mairies, comme ici dans le 2e arrondissement de Yaoundé. C'est une mairie modèle qui a emménagé il y a peu dans un bâtiment tout neuf. Lucas Samba, le maire, a finalement accepté de nous montrer ses archives. Salut, ça va ? Ok. Alors, vous avez donc... Elle est derrière. J'arrive. Voilà. Voilà. Alors, vous avez le responsable des archives, qui est M. Somba Martin, qui est là. Et il a assisté de 2 ou 3 personnes. Voilà. Alors, c'est ici qu'on a prévu les archives de l'état civil. Rien que les archives de l'état civil. Alors, on a inauguré le bâtiment le 15 novembre 2012. Donc, il va finaliser les travaux ici. Bien sûr. Et ça, on va faire les étagères. On va construire les étagères ici, qui seront codifiées. Par année, par je ne sais pas quoi, on va trouver toutes les rubriques nécessaires pour que tout soit bien codifié, bien rangé. Pour que quand on cherche un acte de naissance, qu'on ait accès facile au registre et par la suite à l'acte de naissance. Chaque mairie aura sa base de données au bureau de l'état civil central et ça va faire qu'on va sécuriser déjà à notre niveau et à ce niveau, à leur niveau également. Donc si à ce niveau, on a tripatouillé, on n'ira pas aussi tripatouiller au bureau central de l'état civil le moment venu. Donc, à long terme, on va éradiquer complètement les méthodes peu orthodoxes à la gestion de l'état civil. C'est dans ces registres que les avocats de l'ambassade doivent vérifier les originaux, ce qu'on appelle des souches. Ça c'est une souche, la dernière copie qui reste à la commune. Pour authenticité, pour vérifier quand il y en a. Si vous avez égaré votre acte, vous pouvez faire une copie à la souche à partir de la dernière copie qui reste à la commune. Donc ça, c'est le document important. Très important, qui authentifie tous les autres documents, avec le numéro, surtout le numéro inscrit sur cet acte de mariage, 094/95. Pourquoi c'est important de préciser ? C'est pour éviter quoi ? C'est pour éviter qu'il y ait des contrefaçons dehors et que ces contrefaçons se retrouvent ici chez nous. En ouvrant un registre, on découvre des feuillets vierges. On peut perdre certains feuillets par moment. Comme c'est un feuillet perdu, celui-là ? Oui, il est perdu. Oui, dans le désordre de déménagement. Ces pages blanches sont la matière première des faussaires pour fabriquer de vrais faux documents d'état civil. Sandra a été victime d'une arnaque au mariage avec faux documents. Suissesse, d'origine camerounaise, elle témoigne à visage caché par peur des représailles pour sa famille. Tout commence il y a quelques années. Elle tombe amoureuse d'un Camerounais en Suisse et veut se marier. Comme l'exige la procédure, le couple fournit les documents à l'état civil suisse pour vérification. Dans le lot, il y a le certificat de célibat du fiancé. Ils envoient le dossier au Cameroun pour aller faire authentifier les documents de monsieur. Donc, les documents sont partis, puis 2 mois et demi après, on nous a reconvoqués pour dire oui, les documents sont authentiques, tout est OK, maintenant on fixe une date. Le mariage a lieu dans un village roman.
Très vite, le comportement de son mari change et Sandra a de gros doutes. J'ai décidé qu'on faisait chambre à part. J'ai commencé à sortir ses affaires. J'ai appelé ma mère, en fait, pour venir m'aider. En fouillant, en enlevant ses vêtements, là, j'ai trouvé les photos de ses enfants. Ce n'était plus deux enfants, c'était quatre enfants. Trois avec une femme et puis un avec une autre. La photo de cette femme-là. Puis je me suis posé la question, mais tout ce monde, c'est qui? Ma mère, elle me dit, mais... Ça doit être sa famille, sa femme, ses enfants. Elle veut en avoir le cœur net et s'organise pour enquêter au Cameroun. J'ai reçu un mail avec la copie de l'acte de mariage. Il me dit, voilà, il est marié. Et il était toujours marié. Sandra se sent trahie. Elle réclame l'annulation du mariage. Mais coup de théâtre devant le juge suisse, l'homme présente une attestation de divorce de sa première union. Mais les dates ne jouent pas. Le certificat de célibat ne peut être qu'un faux. J'ai tous ces éléments-là. Pourquoi on n'arrive pas à établir, à annuler ce mariage? Il dit oui, la juge demande qu'il faut faire des investigations au Cameroun. Nous avons enquêté au Cameroun concernant cette attestation de divorce. Nous l'avons présentée au président des huissiers de justice du Cameroun. Au premier coup d'œil, il voit l'arnaque. Lorsqu'on voit la qualité du document, on sent immédiatement qu'il n'émane pas d'un greffe de notre juridiction. Donc c'est quelqu'un qui a fabriqué ce document complètement. Exactement. En imitant, je dirais en quelque sorte, le sceau, le cachet du greffe, et bien entendu la signature, parce qu'on voit bien que cette signature ne peut être qu'un faux ou une imitation, et pas la signature du greffier lui-même. Vérification faite, cette affaire n'a jamais été enrôlée au tribunal concerné. Donc, très officiellement, le monsieur en question n'est pas divorcé? Il n'est pas divorcé, et ce document a été fabriqué pour les besoins de la cause, notamment de la procédure en divorce qui a lieu en Suisse, je suppose. Faux et inexistant. Vous voyez pourquoi je dis la justice suisse Vous n'avez plus confiance. Non. La justice suisse, non. Et ils ne protègent pas leurs compatriotes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Pour moi, je passe l'éponge. C'est une expérience de ma vie où je ne vais jamais l'oublier. Mais j'avance. Vous comprenez que certains Camerounais ou Camerounaises aillent aussi loin dans le mensonge, la manipulation, l'arnaque, pour obtenir des papiers? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des familles très, très pauvres qui aimeraient sortir de cette pauvreté, vivre un peu décemment, parce que ce n'est pas facile au Cameroun. Ce n'est pas du tout facile. Il y en a qui n'ont rien à manger, qui doivent vraiment se battre pour pouvoir nourrir des familles entières. Moi, ma famille n'est pas dans cette situation. Même quand j'étais enfant, on n'a jamais été dans cette situation. Mais j'ai vu des familles, nous on les aidait pour manger, pour s'habiller, on les aidait. Donc je peux comprendre certains, mais d'autres non. Parce qu'ils ont déjà tout, ils travaillent, ils ont un bon boulot au Cameroun, ils laissent tout tomber là-bas, famille, mari, tout, ils quittent, ils viennent là. Parce qu'on a toujours, toujours dit qu'en Suisse, il y a de l'argent. Des années que mon mari est parti, il avait dit qu'il partait pour Paris. Je reviendrai te chercher, ma chérie, c'est cela que Jean-Marie a promis. Et
Il m'a dit, viens-toi, reste au village. Dès mon retour, on célébrera notre mariage. Mais voilà 10 années que j'attends. 10 années d'une attente angoissante. La crise, la solitude ont eu raison de moi. Je ne reste plus que l'ombre de moi. Il est facile d'obtenir des faux papiers au Cameroun, même pour une journaliste suisse et mariée qui veut un acte de naissance camerounais et un certificat de célibat. Notre intermédiaire, Oscar, nous emmène à environ 1h30 de Yaoundé dans un tout petit village. Il nous présente un officier d'état civil, celui qui est en costard-cravate. Le livre à couverture rose, c'est un registre officiel. Est-ce que c'est compliqué de parvenir à ces registres ? C'est compliqué. Il faut tomber dans des bonnes mains. Tu sais, comme à Yaoundé, dans des mairies, pour qu'on vous libère ces registres, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça. Bon, une chance que mon ami et moi, on a lié nos efforts pour qu'on soit en possession de ça. Ouais. Mais on est bien d'accord que là, ce que vous allez faire, c'est un faux. Un vrai faux. Un faux, mais vrai. Qui tend vers le vrai. Les ambassades, elles vérifient. Elles viennent regarder. Oui. Bon là, c'est des vrais, hein? Oui, oui. Il n'y a pas de souci? Non, pas de souci, là. Si tu vérifies dans tout ce village, je pense que je suis... C'est lui qui vient souvent établir les actes de naissance, les actes de mariage. Même les gens qui m'ont aussi, c'est moi qui fais leurs actes. C'est vous qui faites là? Les actes de décès, quoi. Ceux qui les actes de décès, les ceux qui viennent mariage, vérifier. Solennellement, est-ce que j'avais prévu? Tout le monde me connaît. Donc vous connaissez les gens qui vérifient aussi? Certainement. D'accord. Bon, la date de naissance, maintenant, c'est le 28. Est-ce qu'on peut me rajeunir un petit peu? Oui. Comment? Je ferais volontiers 10 ans de moins. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible? Je voulais vous rajeunir. Ah ouais. C'est le rêve de toutes les femmes. C'est-à-dire que je peux dire que vous êtes né en 1980? Par exemple. Ça, c'est très important aussi, les cachets, hein? Oui. Très important. Très important. Si déjà dans votre passeport, si dans votre passeport il n'y avait pas de cachet, est-ce qu'il allait être valable? C'est pas valable. Oui, partout là, il y a les cachets. On les met pour authentifier, n'est-ce pas, le papier. Hors caméra, le faussaire confie que le cachet est celui d'un officier d'état civil décédé et qu'il imite sa signature. Pour le certificat de célibat, rien de plus simple. Oscar possède déjà le document cacheté et signé. Il a suffi de noter le nom et le numéro de carte d'identité de deux témoins, n'importe lesquels. Merci. Les deux documents ont coûté 300 francs suisses. Je vous laisse le découvrir. Bon, il y a déjà des sceaux différents. Les sceaux, là aussi, ça a l'air d'être des sceaux fabriqués dans la rue. Vous connaissez, bon. Vous savez bien que... vous le savez bien, mais honnêtement, est-ce que vous pensez... Parce qu'il y a une souche hein, pour celui-là. Oui, c'est faisable. Hein. C'est faisable avec une souche. Je pense que c'est faisable. Il s'agit d'un certificat de célibat à mon nom que j'ai pu établir au Cameroun alors que je suis mariée. Voilà, je crois que je l'ai dit, c'est pas surprenant. On voit bien qu'un certificat de célibat peut s'obtenir assez facilement. J'imagine que vous avez dû payer. Bien sûr. Voilà, vous avez corrompu un fonctionnaire. Voilà, ça, on n'est pas dupe, ça se fait. Mais par chance, on vous connaît et on sait que vous êtes marié en Suisse. Donc,
On ne se fait pas prendre par votre petit jeu, madame. Non, la question que, ce que je voulais vous poser comme question par rapport à ça, c'est comme vous êtes tous les deux très conscients que c'est facile à faire, et effectivement ça c'est facile à faire, pourquoi finalement continuer à le demander ? C'est une autorité officielle qui vous l'a fournie ou bien c'est un... C'est un faux vrai document établi par, sur le marché à Yaoundé par des spécialistes en matière de faux. C'est ça un peu la question aussi. C'est une autorité officielle. C'est une autorité officielle, oui. Donc pourquoi continuer à demander ce document-là ? Oui, parce que notre système juridique est fondé sur le dépôt de documents. C'est dans notre droit continental, si vous voulez, le document a une importance vraiment manifeste. Et tout notre système juridique par rapport aux inscriptions d'état civil repose sur un document. Une rigueur applicable en Suisse, mais qui, transposée aux possibilités du Cameroun, relève de l'absurde. Les procédures en Suisse sont compliquées, comme l'est devenue la situation de Julie. Convaincue que son mariage forcé au Cameroun ne comptait pas, elle a épousé l'an dernier en Suisse Christophe, un jeune Jamaïcain, et se retrouve aujourd'hui accusée de bigamie. Lorsqu'elle a rencontré l'administration vaudoise à son retour de Yaoundé, Julie n'a pas compris que même si son union forcée n'était pas valable en Suisse, elle est mariée. J'ai juste pas compris. Alors j'ai appelé mon avocat directement, en demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et surtout qu'on menaçait de faire annuler mon mariage, mon vrai mariage. Enfin, pour moi, c'était juste... J'avais juste beaucoup de haine, en fait. Parce que la Suisse, actuellement, justement, se bat pour les gens légaux dans le pays, pour les faux mariages, etc. Puis on veut annuler un vrai mariage, mon vrai mariage, que j'ai choisi, qu'on a choisi, pour un mariage qui n'était pas vrai. Comment obliger ? Je trouve ça un peu stupide, quand même. Mais... Pourquoi ? Parce que les lois, normalement, c'est les mariages qui étaient faux, c'est qu'ils devaient être annulés, pas celui-là. Et c'est comme les... Ils sont contre nous. Voilà. Julie risque gros. En plus de l'annulation de son mariage d'amour, son casier judiciaire ne serait plus vierge. Un problème pour son avenir professionnel. L'affaire est toujours en examen. Elle est mariée une deuxième fois, voilà, c'est sûr que c'est une problématique. Donc, à un moment donné, je crois qu'on lui donne un conseil, de se défaire de ce premier mariage. Et puis, on va pas jouer les technocrates, lui demander de se divorcer ici de son deuxième mariage, de divorcer là-bas, de se marier ici. C'est un petit peu ridicule. Cette personne a peut-être fait une bêtise à un moment donné dans sa vie, ben, elle a droit à une deuxième chance. Je crois qu'on ne va pas la plomber avec cette histoire toute sa vie, et puis on va voir dans quelle mesure. On va instruire selon les bases légales qui sont à notre disposition, et on verra qu'est-ce qu'on pourra trouver comme solution. Monsieur et madame sont donc unis toute la vie. Que les problèmes de ce monde ne les séparent plus jamais à vos tours. Monsieur et madame sont donc unis toute la vie. Que les problèmes de ce monde ne les séparent plus jamais. Nous te disons à monsieur que la femme est comme une belle fleur. Si elle est bien entretenue, elle résiste mieux les yeux du temps. Prends donc soin de ta belle épouse comme d'une rose de ton jardin. Et si bien entretenue, elle rayonnera toute la vie. Au cyber de Yaoundé, les filles partagent des conseils. Par exemple, il ne faut pas trop parler argent avec les Blancs, au risque de passer pour une intéressée. Augustine discute avec son Blanc depuis 2 mois, mais elle ne sait rien de son travail ni de sa famille. Elle ne veut pas l'effrayer. Lui, par contre, ne se gêne pas pour fixer ses conditions, même les plus sordides. Bébé, et qu'est-ce qui te fait savoir qu'avec moi ça va marcher ? Qu'est-ce qui me fait sentir que ça va marcher ? Je sais pas. Je le sens, je sais pas, t'es différente. C'est différent. Je suis différente de quelle manière ? C'est quoi ma différence ? Qu'est-ce qui fait ma différence à moi ? Ok,
C'est ce qui fait ta différence à toi, ta façon de parler, comment tu me parles et tout, c'est pas la même chose. Ah bon? T'es trop belle. Je t'adore, chérie. Je t'adore aussi, Bubuse, hein. Eh, poupée, surtout que quand on va dormir ensemble, moi, je vais te demander de dormir à nu, hein. Ça sera pas nouveau, ça. Comment? Ça sera pas nouveau, ça. Ça, je le connais déjà. Ah, tu dors déjà nu? C'est très bien, c'est un peu plus. Ah bon? Et pendant tes règles, tu vas dormir nu ou tu vas t'habiller? Oh, je vais m'habiller, bébé. Iche, pourquoi faire? Parce que ça va salir. Ah, on mettra une serviette sur le lit, Pupus. Voilà ça. Ok, là, le moment venu, on va en parler. D'accord. Non, mais moi, je préfère te demander. Je préfère venir d'abord de ce que je vais te demander, hein. Parce que je veux pas arriver là. Tu comprends que je ne veux pas que quand j'arrive là-bas, tu me dis, ah ben non, mais je veux pas, machin. Tu comprends? Non, mais ce serait bien parce que tu m'en as déjà parlé. Voilà. Ouais, mais même quand tu auras tes règles, hein, moi je veux que tu dormes nu quand même. Ah bon? Oui, je veux que tu dormes nu. Je veux que Linou soit toujours là pour moi. Tu comprends ou pas? Ok, bébé. Le pouvoir de l'argent, le rêve d'une vie meilleure transforme le rapport de force. Il faut pouvoir résister et parfois c'est impossible. Aujourd'hui en sécurité à Genève, Madeleine est une survivante. Sans famille, naïve, illettrée, elle a été séduite par un blanc dans une capitale africaine. Je suis une femme vendeuse dans un petit marché. C'est comme ça que je l'ai raconté. Oui, il vient comme une personne touriste qui vient en vacances. Oui, c'est comme ça qu'on est tombé amoureux. Et puis, il vient. Qu'est-ce qu'il vous apporte à chaque fois? Il me porte au chocolat. Petit t-shirt, quelque chose qui fait plaisir à les femmes. Et puis moi aussi, je suis très, très contente pour les suivre. Après, il m'a dit, ah, tu me plais beaucoup, j'ai besoin d'une femme. On va se marier, fonder une famille, on va vivre ensemble. Je suis très, très contente. Madeleine ne sait pas comment l'homme s'est arrangé pour le visa, mais elle prend l'avion et arrive en Suisse. Immédiatement, le cauchemar commence. Il l'enferme dans une chambre. Il me ramène les hommes. Ils font l'amour avec moi. Lui prend son argent. Tous les jours? Parfois trois fois, parfois deux fois. Oui. Pour vous? C'est difficile, c'est pas ma vie ça. Moi j'ai peur qu'il va me tuer. Même si on souffre là-bas, c'est pas comme ça. Hein. Plutôt rentrer chez moi, vivez-vous ça. Ça c'est pas la vie. C'est pas la vie, hein. Non, 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 non. Si je veux vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie, je préfère rentrer chez moi, vendre mes ananas et les bananes. Ça, c'est pas la vie. Quand vous étiez dans la chambre et puis qu'il vous amenait des hommes, ces hommes, vous auriez pu leur dire peut-être, aidez-moi. Mais je n'ai pas le droit de parler. Si je parle après, s'ils ont parti, s'ils commençaient à me tabasser, je fais quoi? Pour moi, j'ai peur. J'ai peur, je n'ai pas personne ici. Mais tout ce qu'il me dit, tu n'as pas le droit de parler. On est là, les gens sont derrière des rideaux, lui aussi il est assis là. Je fais comment? Comment je peux parler? Il écoutait tout? Il écoute tout. Et puis s'ils ont fini, ils partent ensemble, ils me ferment, ils partent ensemble avec son clé. Avec sa clé, moi je fais comment? Un jour, il oublie de fermer la porte et elle s'enfuit. Après deux nuits dans la rue, elle sera recueillie à l'hôpital de Lausanne. Moi j'aime témoigner pour ça, pour qu'il ne ramène pas autre fille qui soit naïve. Faire confiance totale comme moi pour faire encore cette souffrance. Hein. C'est pour ça que si on me demande, je parle. Mon rêve s'est brisé au crépuscule de ma vie. Mon espoir s'est envolé, laissant place à une mélancolie. Je n'ai plus qu'à pleurer toutes les larmes de mon corps et adresser des suppliques au grand Dieu consolateur.
mon héros n'était qu'un voleur, dissimulé derrière un col bien blanc. Mais aujourd'hui, démasqué et mis enfin hors d'état de nuire. Pourquoi pas rester ? Le rêve de Yenga s'est aussi brisé. Son blanc fauché ne veut pas l'emmener à Paris. Il veut rester au Cameroun. Là, c'en est trop pour la jeune femme. Tu vas pas fâcher. Enlève tes sales mains sur moi. Comment tu as pu me faire ça, Jean-François? Tu m'as trompé. Tu nous as trompés tous ici. Chérie, comprends-moi. Arrête de m'appeler chérie. Toi et moi, le mariage, c'est terminé. Non mais Jean-François, sans blague, regarde-moi. Comment est-ce que t'as pu imaginer, même dans tes rêves les plus fous, avoir une femme comme moi? Tu as toujours eu le courage de jeter ce blanc dehors comme non, ça. Non, le blanc. Moi, j'aime le blanc. Moi, je ne peux pas le jeter dehors. Supporter. Il faut bien supporter. On a vu tellement à la télé des films occidentaux où on a le sentiment que le blanc s'est aimé. On a le sentiment que le blanc ne souffre pas. On voit les paumes de France à la Tour Eiffel. Ils n'ont pas de problème. Et tout ce que nous voyons ici de nous, Africains, ce n'est que la misère qu'on nous renvoie. Donc, on a le sentiment que le blanc... La richesse du blanc ne se limite pas seulement à ses poches. On a le sentiment que le blanc est élevé dans les bras d'une reine, d'une princesse, où tout est rose. Et nous, c'est la brutalité. Non, mais c'est même dans le subconscient. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'une femme blanche, vous, par exemple, Isabelle, que les cheveux blancs, mais oh, c'est lire. C'est vrai. Mais ça, c'est le fantasme. Ça, c'est le fantasme. Parce que la réalité, c'est pas ça. Moi, pour avoir vécu en Europe, je sais que c'est pas ça, la réalité. Tout converge vers le fait que l'Europe, c'est le paradis. Et c'est difficile d'enlever ça de la tête des gens. À un moment, le rêve peut devenir subitement mais un violent cauchemar. Franchement, jusqu'où vous êtes prêts à aller pour pouvoir réaliser vos rêves? Non, la réalité pour nous, c'est on veut toucher du doigt aussi. Comme t'as, peut-être on a touché avant de voir que c'est dur et revenir. Donc, on veut toucher du doigt. Augustine s'accroche au mariage, le sésame pour l'Europe. Elle veut son blanc, même au risque qu'il soit pauvre, handicapé ou pervers. Et tu as dit qu'on allait se marier, chérie? Déjà, il faut dire... Alors, pour se marier, il faut déjà que je vienne, que je passe un mois chez toi pour la mariage. Ah. Comment ça se passe? Donc quand tu viendras en août, ça sera pas pour se marier, il faudra d'abord que tu sois là. Alors, avant de se marier, il faut déjà être venu plusieurs fois pour se connaître. Ah, bon, ça sera pas pour le mariage, au mariage, ça sera une autre fois alors. Ok, donc on va baver alors pour un bon bout. Tu dois savoir autre chose, c'est qu'à l'ambassade, eux, ils vont te demander toute ma vie. Pour savoir si tu me connais vraiment. Ah bon, ils vont me poser beaucoup de questions. Donc, je dois apprendre ta vie, je dois connaître tout. Voilà. Hé, chérie. Voilà. Chérie, ça pousse un peu sous tes bras ou ça pousse pas, chérie, t'as coupé? J'ai coupé, mais on s'était dit que j'allais couper. Iiii, t'as coupé. Oui. Iiii. Et tu sais très bien pourquoi je veux ça. C'est parce que tu aimes ça, quoi d'autre encore? Parce que quand il y a tes poids, il y a aussi ton odeur qui va avec. Tu es plus odorante, tu comprends? Quand je vais divorcer tes poils les bras, là, je vais bien sentir ton odeur. Ah, toi, tu vas me tuer, j'ai Ok, j'ai compris. Voilà. Je vais bien sentir l'odeur. Bien ton odeur. Alors là, grave. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors soulignons-le, encore une fois, l'écrasante majorité des mariages mixtes entre Suisses et étrangers se passent merveilleusement bien, voire mieux qu'entre Suisses. Et de nombreux mariages binationaux Suisse-Cameroun ont donné naissance à de magnifiques familles heureuses et métissées. Pour en savoir plus avant de se marier à l'étranger ou en Suisse avec un ou une partenaire étrangère,
nous avons invité sur notre forum de ce soir Jean-Pierre Coussat, chef du service de l'état civil et des naturalisations à l'état de Fribourg. Comment se prémunir des arnaques au mariage? À qui demander conseil? Et à l'inverse, quelles sont les voies de recours en cas d'annulation d'un mariage pour des motifs administratifs? Il est en ligne sur notre site www.temppresent.ch. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Très prisée des Suisses, autrefois réputée parmi les meilleures compagnies aériennes du monde, Air France est aujourd'hui considérée comme une compagnie de second niveau pour ce qui concerne la sécurité de ses vols. Le crash dans l'océan du vol Rio-Paris en 2009 a été l'accident de trop, une enquête implacable sur la descente aux enfers de ce qui fut un fleuron de l'aviation civile. It's the remix, yeah, the remix, yeah. Soulfly, Akon, P Square, Mr. Maybe, Convict Music. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction that makes sure that we stay in line. Sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. Dinner day, you want baby. We're supposed to live like family. Hey, I know the lie. Know the lie. There's nothing stopping me. She the feel my swag and I get money. I'd try my best, I'd be somebody. Cause I'm living life. This girl, they make me higher, higher. I feel this, baby. You no go believe. This girl, I die, die. If you see this, baby, tell him say she must drop my money. She must
this the remix, yeah. The remix, yeah. Soulfly. Akon, B Square, Mr. Maybe, Convict Music. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction, then make sure that we stay in line. Sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. We're supposed to live like family, hey, I know the lie. There's nothing stopping me. She dey feel my swag and I get money. I dey try my best to be somebody, cause I'm living life. She's girl dey make me higher, higher. I dey feel this baby, you no go believe. This girl na die, die. If you see this baby, tell him say she must chop my money. Assault and stunt for you, you know I can. Farabaleko.